Le mix énergétique, c'est un vrai grand défi. On continue à préparer l'avenir. C'est notre histoire, notre code génétique. L'innovation, c'est le futur finalement. Notre manière d'innover, c'est d'y aller, c'est de tester. On a le sentiment de construire les services de demain avec les clients. Les changements arrivent vite, il faut s'y préparer. La mise en service industrielle d'une nouvelle installation, c'est une aventure technique et humaine qui est passionnante. On diminue de moitié les émissions de CO2 par rapport à une centrale à charbon classique. Pour être performant, il faut repousser les limites, être innovant. Chaque projet de centrale solaire que nous menons est unique. Le lidar flottant mesure le vent en mer grâce à un système laser. En 2014, cette innovation a permis d'économiser entre 8 et 10 millions d'euros par ferme éolienne en mer. Ici, on prépare le système électrique de l'avenir pour assurer un bon service et préparer la transition énergétique. Je suis fier de mon travail ici. Par nos travaux, nos recherches, on a vocation à renforcer la sûreté et à maintenir un coût de maintenance le plus bas possible et donc le plus intéressant pour l'entreprise et les consommateurs. Ce projet est une infrastructure expérimentale très importante, car grâce à elle, nous pouvons obtenir des connaissances réelles sur le potentiel de la technologie de stockage d'énergie produite à partir d'une installation photovoltaïque résidentielle. Electranova Capital, c'est un fonds d'investissement qui a pour objectif de financer des startups dans le domaine des clean technologies. On crée des liens de développement entre ces startups et EDF. On sélectionne avec Microsoft deux fois par an une promotion de startups. Les projets SI et numériques sont essentiels à la performance du groupe. Nous essayons en fait de démocratiser la mobilité électrique parce que nous pensons que c'est vraiment une solution de demain pour la ville de demain et pour le citoyen de demain. La pompe à chaleur intégrée à cet écoquartier apporte une plus-value aux promoteurs, à la commune et bien sûr au client final. Cette entreprise fait partie de celles qui ont inventé le métier de la gestion de l'énergie. Le meilleur kilowattheure pour nos clients, c'est celui qu'il n'a pas consommé. En Belgique, le marché est devenu très concurrentiel. Et pour nous, la solution, c'est la diversification. C'est des nouveaux services, des nouveaux supports qui vont apporter une plus-value dans la relation avec le client. Le sujet des objets connectés, des nouveaux services numériques, ils ont un peu une dimension sociétale. Ça permet à tous les clients de faire un peu plus d'économies d'énergie. Il ne suffit pas d'avoir une nouvelle technologie, il faut qu'elle soit utile. Il faut donner du sens à ces services. La très grande majorité des consommateurs n'imagine pas ce qui est fait pour produire l'électricité en permanence. Notre intérêt, c'est que le client consomme mieux et pas forcément plus, et qu'il soit satisfait de sa consommation. Nous devons être fiers d'ajouter de la valeur au monde de l'énergie. On est à la pointe de l'innovation et on travaille vraiment pour le futur énergétique.